Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'aventure sur Mountain Blade Warband. Je t'invite tout de suite à mettre le pouce bleu, l'abonnement, etc., etc. Il paraît que c'est au début de la vidéo que c'est le plus efficace de réclamer. Donc on réclame, on n'est pas comme ça, on a rien à foutre. Alors... Ah oui, alors attends, vous m'avez dit dans les commentaires que... Donc pour... comment dire... La 3... On va faire le tournoi. J'ai oublié de parier, merde. Donc pour pouvoir recruter des bataillons de troupes, il faut avoir 10 de relations dans la ville. Donc ça va pas être très compliqué. Ah, cherchez pas, je suis vénère. Non, mais je suis vénère, cherche pas. Ouais, je suis vénère, mais pas suffisamment, quoi, en fait. C'est pas grave. Ok, je suis à l'arc. Oh, la vieille flèche en plomb, toi. Ok, baby. Wow. Ah, c'était esquive lance de... Putain de... Ok... Ah, bien joué. Petit coquinou, va. Ok, on y retourne, on passe le bait. Je suis à pied, arbalète... Et voilà. L'idée, j'ai plus de thunes. Marketplace, ok. Bon, il me manque 2 points de relation. On va les faire assez vite. Voilà. Bon, normalement, là, je suis à 10, donc je devrais pouvoir. Je devrais pouvoir recruter des bataillons entiers maintenant de troupes. Ce qui va nous permettre de se faire des armées très rapidement. Alors non seulement ça va être très rapide, mais en plus elles vont être expérimentées en arrivant. C'est vraiment que du bonheur.
Merde. Ok. Si ça m'irait attaquer, oh là là, faut qu'on y aille, mais... Pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Écoute, on a fait le decoy, ça a permis de sauver Tismir, donc c'est très bien. Hop. Là, j'ai juste besoin d'un peu de thunes, hein. Donc Vous voyez que le roi, je suis avec le roi, aller engager les troupes ennemies, mais non. Ouais, si je chope. Et moi, si je le chope, parce que je me déplace plus vite que lui. C'est bon, le roi Christian... Le roi Christian est avec moi, donc ça devrait bien se passer. J'essaie d'avancer mon infanterie pour l'instant. Faut que je te bute. Ah non, c'est un... Non, non. Je crois que c'était de l'élite, mais... c'est juste un chevalier gothique. Ok, ça va, il reste un mec. Et c'est le GG. Victory, mais tout à fait, tout à fait. Il a réussi à s'enfuir, moi j'ai gagné 800 balles et 0 loot par contre. Ah, lui il est content, on s'est battu ensemble. Hop. Je go à Stockholm. Donc c'était bien écrit que je n'avais pas assez d'argent pour recruter. C'est pas qu'il me truste pas comme d'habitude, c'est que j'ai pas de sous. Alors, il me propose 3500 deniers pour récupérer un de leurs gars, pas de souci. Et donc là, hop. Donc on peut avoir 10 Pikmin, 5 mousquetaires et 4 milices. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, j'ai recruté 23 personnes en 2 secondes. Avec un petit peu d'expérience en plus, donc c'est vraiment parfait. Maintenant, le seul truc, c'est de réussir à avoir suffisamment de pognon pour recruter régulièrement, XP les troupes, etc., etc. Je peux pas aller, d'accord. Ça doit être une fois par semaine pour recruter du monde, comme ça. On va faire avec. On va faire avec. Ok, un petit peu d'Easy Infantry. Swordman. Men. J'ai pas beaucoup de mousquetaires. J'aurais dû faire un peu plus de mousquetaires. Ok, j'ai 87 troupes. C'est parti. Les fameux rebelles chinois qui viennent se battre au Danemark. Ouais, j'ai balancé Danemark comme ça.
Ok, 9 recrues, c'est cool. Ouais, on va arrêter d'attendre là, parce que le fait d'attendre, c'est bien, mais ça me fait perdre beaucoup d'argent. Infanterie lourde française, ah oh, bah oui. Allez. Regardez-moi ça. C'est obligé que je préfère ça plutôt que les trucs du Danemark là. Mais bon, c'est pas grave. On va se faire notre propre infanterie comme ça dès qu'on peut. Hop. Le reste dans notre trip pseudo-viking, ce sera très bien. Alors, Flensbourg. Ok, bon là ça va être chaud comme bataille, ça va être très très chaud. C'est le problème des pillages, hein. Quand vous avez commencé à piller, vous pouvez plus vous arrêter, c'est pas possible. Y a pas de cancel, il n'y a pas de retour en arrière, c'est... Tu commences, tu finis. Eh merde, eh merde, eh merde. Et on se casse. Ouais, ok. Merde. Non, non, non. Oh, bon, non, on va éviter de continuer à looter le village. Oui, je ne pense pas que ce soit utile. Bon, je me suis fait déboîter le fion. Oh là là là. Il va falloir vraiment qu'on trouve des nouvelles troupes, hein, parce que là, ça va pas être possible. Alors, est-ce que t'as du boulot à me donner, toi? Ça me permettrait de me remettre un petit peu en selle. Ah, il me propose d'aller chercher la merde chez les Allemands, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Hello. Je suis même pas sûr que la cavalerie est un intérêt, ça. Voilà, j'ai récupéré du coup mon infanterie.
Allez, 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 allez. Faut les attendrir avant qu'ils arrivent au corps à corps, là. Je vais pouvoir lancer ma charge de cavalerie dans pas très longtemps. On y va. Charge d'infanterie. Je vois pas du tout où vont mes flèches, donc c'est vraiment au jugé. Ça va bien se passer. Ok. Bah oui, victory quand même, évidemment. Attends, tu t'en as douté ou... Allez, on y retourne. On se pose le cul, on se repose. Récupérer les PV, les troupes, un petit peu d'XP. 400 deniers de je sais pas d'où ils viennent. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à maintenir le Kalmar Unionen. C'est une faction vraiment mineure qui disparaît vite, normalement. Et ça va, j'arrive à la maintenir à flot, et ça, c'est déjà pas mal. Ce qui serait bien maintenant, c'est que je ne perde plus mon armée. Sauvegarde? Oh, bah ouais, petite sauvegarde quand même, ça coûte pas, ça mange pas de pain. Hop, 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 wait here, encore une fois. C'est quoi ça? Ok, je vais aller voir s'il y a pas des Cossacks qui se baladent là-bas. Okay. C'est ville par ville, hein, c'est pas... Vu qu'on a 10 de relations à Stockholm dans la capitale, est-ce que ça marche pas ailleurs? Non. Et pas du tout. Ok, ils sont en train de péter Tismir encore une fois. Alors, 51 ça? 151. 151 c'est pas le même délire. 32 archers, 20 gunners. Allez.
Ok, on va voir si le voisin arrête sa perceuse. C'est 150 soldats de métier derrière. Enfin, devant plutôt. Derrière, il y a beaucoup moins de métier. Oh putain! Merde. Merde, merde, merde. Mes viewers, je te laisse là, parce que là c'est impossible de continuer à enregistrer, je dois couper toutes les 3 secondes. Allez, des bisous, j'espère que l'épisode t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo. Et à demain. Ciao.